Des milliers de visiteurs, une vingtaine de lieux et d'animations, la saison estivale à Aix-les-Bains Riviera des Alpes, ce sont des chiffres impressionnants. Mais surtout, des activités devenues incontournables. Le calendrier de l'été donc, est bien rempli. Il s'adresse à tous et à toutes, à tout âge. On a aussi bien du jazz, de l'opérette, puisqu'on a de la musique classique. On a aussi, bien sûr, notre festival Musilac, hein, donc pop-rock. Et puis on a d'autres animations, hein, beaucoup moins importantes, mais on a des animations pratiquement toutes les semaines. Sur terre ou sur lac, si les animations se répartissent sur plusieurs sites proches d'Aix-les-Bains, la Savoie et la Haute-Savoie collaborent également pour la fête du nautisme qui aura lieu les 2 et 3 juin prochains. On est là vraiment pour faire découvrir notre lac. Je le dis souvent, nos lacs alpins, ce sont de magnifiques terrains de jeu. C'est des lieux contemplatifs, on le sait, au bord du lac du Bourget. Hein, la contemplation, c'était important, du côté de la Martine. Mais ce qu'on aime aussi, surtout, c'est que les gens aillent sur le lac. Qu'ils aillent sur le lac en voilier, qu'ils aillent faire de la plongée, du ski nautique, du pédalo, qu'ils se promènent sur des bateaux passagers, c'est important. C'est bien de se promener au bord du lac, aller sur le lac, c'est très important. Le programme complet des activités est à retrouver dans l'office de tourisme d'Aix-les-Bains et chez tous les commerçants aixois.